C'est un concept qui est peu connu encore en Suisse et qui est extrêmement valable par les temps qui courent en économie. Des personnes peuvent se retrouver à vouloir œuvrer en tant que consultant, mais n'ayant pas un statut d'indépendant vis-à-vis de l'AVS. Ils ont quand même besoin de talents à court terme et souvent extrêmement spécialisé. Le consultant, lui, peut avoir des années et des décennies d'expérience et par contre ne pas pouvoir justement répondre à la société n'ayant pas un statut de pouvoir facturer en direct. Il se met en porte-à-faux non seulement lui-même, le consultant, mais aussi la société. La société risque des amendes et de devoir payer les arriérés de charges sociales qu'il aurait dû être prélevé. C'est mauvais pour le consultant parce qu'il perd sa réputation et c'est dangereux pour la société qui, elle, n'est pas en adéquation avec la loi. Donc c'est vraiment perdant-perdant. Nous avons la solution légale pour permettre au consultant de garder un statut d'employé, de le louer au client qui a besoin du talent et puis immédiatement. La création de contrats personnalisés est tellement plus importante. Et puis en fait, nous sommes le bras administratif qui facture au client et qui paye le salaire à l'employé. Tout le monde est gagnant.